Bah, j'étais très heureux d'être dans les 11 titulaires pour mon premier match avec Montpellier. C'était un match intéressant vu l'état d'esprit du groupe. On était bien en place, on a fait nos mieux pour ce match. Malheureusement, on a encaissé 3 buts. On a fait de bonnes choses comme des erreurs aussi, mais ça reste le foot. Il faut qu'on se prépare pour les prochains matchs. Ouais, c'était une fierté pour moi de porter ces maillots, de défendre ma nouvelle couleur. Montpellier a été toujours un club des rêves. J'étais fier, très content d'être sur le terrain pour mon premier match. Bon, Montpellier, c'est un club qui était intéressé depuis longtemps, mais au mercato passé, j'ai eu contact avec le club, via mes agents aussi. Donc, ça s'est passé comme ça. Oui, il y avait des clubs sur moi à l'étranger. Comme je l'avais dit, je voulais jouer à l'étranger pour voir le niveau des autres championnats aussi. Mais Montpellier a été un bon choix pour moi. Je n'ai même pas hésité de signer ici. Vu que j'ai reçu l'offre de Montpellier, je voulais jouer à l'étranger, mais je n'ai pas hésité. Je me suis dit, c'est Montpellier, bah, je vais signer à Montpellier. Si les deux clubs sont tombés d'accord, je signe à Montpellier. Bon, c'est un club que je suivais depuis longtemps. Et puis, on m'a bien parlé du club. C'est un club familial. J'aimerais toujours jouer dans un club familial. J'ai mon coéquipier Falay aussi. Je connais pas mal de joueurs ici. J'ai joué contre eux. Pas trop de connaissances, mais j'avais déjà joué contre eux. Et puis, c'est des super joueurs. Et puis, des joueurs très gentils sur le terrain. Tout ça m'a poussé à signer ici. Et je savais que ça allait être facile pour moi de s'intégrer dans le groupe. Oui, comme je l'avais dit, Montpellier, je suivais le club depuis longtemps. C'est un très bon club de Ligue 1. Ces derniers temps, j'ai vu les résultats. 4 défaites d'affilée. Ça a fait un peu mal au club, à l'équipe. Mais je sais que c'est un très bon club. Et puis les difficultés, ça va passer. Donc, je n'ai même pas hésité. Je n'ai même pas mis ça dans ma tête qu'on va galérer. On va trop galérer pour le maintien. Il y a des moments difficiles, il y a des bons moments. Dans ma tête, Montpellier passait un moment très difficile, mais je pense que ça va mieux se passer d'ici la fin de saison. Bon, le maintien, c'est pas facile à jouer. Mentalement et moralement, c'est très difficile pour les joueurs, mais il faut être prêt, il faut être combatif sur le terrain, il faut être agressif, il faut savoir ce que tu veux sur le terrain, il faut savoir gérer les matchs pour avoir le maintien. Oui, je suis un combattant. Je suis très agressif sur le terrain. C'est mon genre. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien le duel. J'aime bien le duel. Comme je l'avais dit, si je gagne un duel, c'est comme si j'ai marqué un but. Donc, un match de foot, pour moi, c'est un combat. C'est la guerre. Bon, le club a fait l'effort pour me recruter. 6 millions, c'est pas 6 000 euros. Hein. 6 millions, c'est quelque chose. C'est à moi d'être présent. C'est à moi de prouver. C'est à moi de tout donner pour ces maillots, pour mériter ces 6 millions. Ouais, bon. Montpellier, comme je t'avais dit, c'est un très bon club de Ligue 1. Et puis les supporters sont toujours là, ils sont présents. Même les matchs passés, ils étaient là pour motiver les joueurs. Ça reste toujours un très bon choix pour moi et un très bon club que
C'est une étape de ma carrière. Ça va jouer ici, jouer à Montpellier, ça va beaucoup me faire du bien. Bah, je respecte l'adversaire. Et Strasbourg, ça va être une finale pour nous. Ça va être un très bon match à jouer. Il faut être présent, il faut être là pour avoir les 3 points. C'est très important pour nous. Ça change beaucoup de choses dans notre championnat. Donc il faut être là, il faut tout donner pour avoir les 3 points. Oui, j'espère, c'est l'objectif. J'aimerais être le patron de cette défense, mais il faut le mériter. Il faut travailler pour le mériter. Donc, je n'ai pas hésité à prendre le numéro 4 aussi. C'est un numéro sacré. Il tourne sa carrière, tout le monde a vu ce qu'il a fait. Peut-être ça peut être un bonheur pour moi de faire la même carrière que lui. Bon, pour moi, peu importe, hein, parce que j'ai joué dans les deux systèmes, défense à 3, défense à 4, peu importe. Hein, pour moi, ce qui arrange le club, moi je serai là pour dépanner le club. Je suis un défenseur central, je peux jouer n'importe quelle position de la défense. Il n'y a pas de système. Je peux jouer n'importe quelle position.